la mort de notre ami, Alain Gilot-Pétré. Nous l'aimions tous, vous l'aimiez tous. Il aurait dû, à cette minute même, être à l'antenne pour vous présenter le dernier bulletin météo de l'année, car malgré la maladie contre laquelle il luttait avec énormément de courage depuis 2 ans, il avait tenu à être là, et ce soir, il nous manque. Son amitié, sa chaleur, son talent, ses plaisanteries. Nous pensons à sa femme et à ses enfants à qui nous voudrions donner un peu de force. Retrouvons Alain Gilot-Pétré grâce à Jacques Barbeau. Madame, monsieur, bonsoir. Vendredi prochain, c'est l'été. Ami, bonsoir. Gardons notre sang froid, car en ce moment, le ciel a le sang chaud. Une bonne nouvelle, la pollution va s'amoindrir, en tout cas sur la moitié nord. Il y a un peu de vent. Et il fait doux, regardez les températures relevées par la météo nationale. Il était devenu l'ami de la famille, qui nous parlait chaque jour de la pluie, du verglas, de la neige et du beau temps. Avec ses farces et ses fous rires. Beaucoup d'agitation sur ce plateau et beaucoup d'agitation aussi dans le ciel de France avec... Car Alain Gilot-Pétré incarnait la joie de vivre et la passion de son métier. Donc, au fur et à mesure, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir. Si la météo était fiable à 100%, 365 jours par an, il n'y aurait plus de poésie, il n'y aurait plus de charme. Il était né le 16 juin 1950 à Versailles. Après des études d'histoire et de géographie, Alain Gilot-Pétré devient critique littéraire à France Inter, puis sur Antenne 2. Témoin ce reportage en direct sur les prix Fémina et Médicis. Paru chez Gallimard, le prix Médicis à Claude Durand pour La Nuit zoologique paru chez Grasset. Ou encore cette rubrique littéraire consacrée à 3 ouvrages de l'humoriste Pierre Dac. Écrivain préféré, et nous sommes nombreux à aimer Pierre Dac pour l'oxygène de l'esprit, pour la pétulance du verbe, pour la rigueur de la déraison. Et les gagnants sont M. Ray Wilkie d'Australie et M. Alain Gilot-Pétré, France. Alain Gilot-Pétré avait reçu diverses distinctions qui récompensaient sa rubrique météo. Vers minuit pour vous, la Guadeloupe entrera dans la nuit de l'ouragan. Une rubrique qu'il avait choisie en raison de son intérêt pour les cyclones et les ouragans. Alain Gilot-Pétré ayant vécu en Guadeloupe quand il avait entre 13 et 18 ans. Comme une respiration avant le vent de retour, car bien sûr, le vent... Gilot-Pétré avait d'ailleurs réalisé récemment pour TF1 un reportage qui lui tenait à cœur. Un reportage intitulé « Chasseur d'ouragan ». Submergeant tout en une vingtaine de minutes et envahissant les littoraux. Ces cyclones m'ont passionné, je suis devenu un fou de cyclones. Et donc j'ai voulu étudier les cyclones. Seulement pour étudier les cyclones, il faut savoir comment ça marche. Pour savoir comment ça marche, il faut voir comment marche le ciel, les nuages, le soleil. Donc j'ai été amené à apprendre la météo sur le tas. Ça va glisser. Soyez prudent, ne prenez pas votre route, même avant. C'était l'une de ses premières météos il y a 18 ans. Et depuis 2 ans, Alain Gilot-Pétré luttait contre la maladie en espaçant de fait ses apparitions à l'antenne. Je crois que nous sommes devenus amis, vraiment, au tout début de 98, c'était en janvier, quand il est venu me voir et qu'il est venu me dire qu'il avait tout simplement un cancer. Alain Gilot-Pétré avait écrit 10 ouvrages et ses chroniques météo de Libération dans les années 80 étaient toujours empreintes d'humour. Alain nous quitte, hélas, quelques jours après la tempête et quelques heures avant l'an 2000. Avec des dents de chameau. Voilà, après avoir rendu hommage à notre ami Alain Gilot-Pétré qui nous a quittés ce matin, nous allons vivre ensemble ce dernier journal de 20h de l'année avec tout d'abord, vous le savez, l'intervention dans quelques secondes du président de la République, une intervention en direct. Et puis nous traiterons le reste de l'actualité. Tout d'abord, la démission surprise de Boris Yeltsin qui a nommé son premier ministre Vladimir Poutine président par intérim. C'est sur le Trocadéro, sur le Champ de Mars, vous allez le voir, vous allez l'entendre, la tension est maintenant à son comble. Et dans quelques instants, la Dame de Fer, eh bien, va nous proposer un spectacle féerique. Elle va revêtir, vous allez le voir, ses plus beaux atours. Voilà, ça commence. Voilà, c'est parti. Alors, ça va commencer progressivement, comme on l'a dit tout à l'heure. Admirez un petit peu. Voilà. Il faut aussi signaler qu'on doit tout ça grâce à Yves Pépin et à des personnes qui ont travaillé pendant des semaines et des semaines. Hein. Voilà la magie d'un moment inoubliable qui va permettre à la France d'entrer de plein pied dans l'an 2000. Ce spectacle, effectivement, d'Yves Pépin. Alors, ce que vous voyez, ces effets-là, ces effets de lumière, on les doit à des spécialistes, à des guides de montagne qui les ont installés il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Il faut dire qu'il y a quand même plus de 20 km de câbles, Jean-Claude. 20 km de câbles tout autour de la Tour Eiffel. Et ça monte progressivement d'étage en étage.
Ces images que nous devons à Renaud Lovanky et à ses équipes sont diffusées, il faut le savoir, dans toutes les grandes télévisions du monde. On peut dire ce soir que Paris, à travers la Tour Eiffel, n'a jamais aussi bien mérité son surnom de ville-lumière. Vous voyez, cette Tour Eiffel, elle prend finalement des allures de fusée. Vous le sentez bien, on sent cette montée en puissance. Voilà les effets formés de milliers de craquants, de gerbes programmés toutes les 5 secondes. Toutes les 5 secondes et puis passé minuit, on va directement avoir des ailes autour de la Tour Eiffel qui vont symboliser le passage à l'an 2000. Et à partir de ce moment-là, tout Paris va être allumé avec ces ailes qui vont ensuite se transformer en phares carrément. Regardez comme ça monte. Oui, on se croirait à Kourou, là, la Tour Eiffel prend des allures de fusée. Vous sentez la montée en puissance. Elle s'éclaire, là, progressivement, pour atteindre tout à l'heure quelques 20 000 feux. Et le décompte va commencer, on est à 50 voilà, 40, secondes. 46. Alors, en ce moment même, à Times Square, à New York, il est presque 18h, bien des centaines de milliers d'Américains admirent la Tour Eiffel devant des écrans géants installés pour l'occasion par nos amis de la chaîne ABC. Là, on a le sentiment que le cœur de tout le monde bat au rythme des secondes, hein, Claude. Il faut dire que l'ambiance est ça. L'ambiance est assez folle. Alors, tout le monde ici fait le décompte. 18, 17, 17 16, 16, 15, 15, 14, 13, 12. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, attention, 2, 1, top de mille. Bonne année à tout le monde, ça y est, regardez. Je vous souhaite la plus douce des années possibles. Très bonne, très heureuse année 2000 à vous tous. Voilà, et puis nous avons une pensée évidemment particulière à tous ceux qui font la fête, qui se réjouissent, mais aussi aux personnes malades, aux personnes dans la difficulté, aux personnes seules, aux personnes qui viennent de perdre un proche. Et puis maintenant, je crois que tout le monde le comprendra, que la fête commence et que les Champs-Élysées s'embrassent et que la tour continue à décoller. Ça va encore durer 2 minutes. Je pense qu'il faut se taire, c'est un moment unique. France 2, et c'est l'an 2000, il est 2 minutes 59, 3 minutes après l'an 2000. Voilà, ces 3 minutes magiques, nous avons voulu vous les faire vivre en silence pour entendre le bruit du cœur qui bat, du cœur d'une foule, d'un pays, et peut-être d'ailleurs du monde entier, puisque c'est cette image qui est offerte par le consortium auquel nous appartenons à l'ensemble des télévisions qui sont en train de reprendre toutes les cérémonies qui vont passer le monde en l'an 2000. Et c'est un spectacle vraiment magnifique qui se termine à l'instant même sur la Tour Eiffel et qui va commencer, qui va enchaîner, vous allez le voir grâce à nos caméras, sur les Champs-Élysées, puisque progressivement, alors que
La Tour Eiffel a l'air encore de trembler et d'être complètement électrifiée par ce qu'elle vient de nous faire vivre. Progressivement, vous allez voir les Champs-Élysées à travers un mixage d'images qui vont s'animer doucement. Et puis vers minuit 10, minuit 12, la première grande roue commencera à tourner. Alors avant le début de ce spectacle et après cet embrasement magnifique de la Tour Eiffel, c'est vrai qu'on a envie de penser un petit peu au siècle qui est passé. Moi, j'ai le souvenir que je me disais, je verrai l'an 2000 et je ne savais pas ce que je ferais en l'an 2000. Et aujourd'hui, on pense aux enfants, on pense à tous ces jeunes qui vont commencer le siècle, au fond. Et on a envie de leur dire, allez au bout d'une passion, soyez heureux et surtout, ayez envie de faire des choses. Allez au bout de... ayez une volonté et soyez libre. On a envie de leur souhaiter surtout de l'amour. Avant le début de ce spectacle, je voudrais vous dire avec Patrick, je voudrais vous dire que cette année va... on la souhaite très belle pour tous. On a pensé tout à l'heure, Patrick vous l'a dit, aux plus démunis, à ceux qui ont souffert de ces tempêtes, à ceux qui ont souffert...